Tous, on est en direct du Festival international du film pour l'émission La quotidienne du festival. Soit Eric et comédie. Bonjour Eric. Alors, est-ce que vous aviez déjà été jury de festival au Paris? Oui, en effet, j'ai été membre d'un jury là-bas il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, le festival de Bruxelles, où j'étais membre du jury. C'était plutôt sympathique. International. Bon. Président. Apprécié. Mais moi, j'adore voir des films et j'adore en parler, donc c'est plutôt chouette. Ensuite, quand on est membre du jury, il faut réussir à défendre ses choix et ses goûts. C'est là où ça devient rôle, Alors, parfois. justement, comment vous comptez au sein de cette équipe et comment... Mais on va se crêper le chignon dans très peu de temps. Là. Parce qu'on a déjà vu la plupart des films, et donc on va commencer à délibérer là dans 1 heure. Alors justement, vous parlez de vu la totalité des films là. Est-ce que vous avez été surpris, étonné? Est-ce que vous avez été ému par ce que vous avez vu? Et qu'est-ce que vous cherchez en tant que spectateur hein, dans un film hein? Ben, vous l'avez dit, hein, moi en tant que spectateur, moi je à être ému. Et ensuite, ça commence à monter un peu dans le cortex. Et puis, je commence à me poser des questions sur la des plans, sur le scénar, etc., etc. Et pour avoir un peu une réflexion purement cinématographique. Mais sinon, moi, je cherche d'abord à être ému. Sinon, je m'en sors pas. Non, il faut que ça me touche mon cœur d'abord. Alors cette année, la thématique du festival, c'est tisser des mondes. On parle donc d'ouverture à la découverte du monde, de l'histoire aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette thématique? Ben, la thématique du festival, moi, ça correspond assez bien à ma vie, donc déjà, parce que j'ai un peu sillonné le monde. En tant que comédien, j'ai travaillé sur plusieurs continents. Et donc, je suis né en France, j'ai un petit peu grandi au Cameroun, je suis revenu en France, j'ai vécu en Angleterre, etc. Et ça correspond bien. Et puis, moi, je suis très content parce que je savais pas que la thématique était tisser des mondes. Agréablement surpris par la diversité et l'éclectisme des films et les origines des films. Donc maintenant je le sais, je sais pas, je comprends pourquoi. Mais c'est vrai qu'on a des films qui viennent du Pérou, du Mexique, des États-Unis, de Pologne, c'est magnifique. Et alors, il y a énormément de films engagés cette année, beaucoup de films avec des messages très forts. Cette année, en début d'année, vous étiez dans une saison en France avec Sandrine Oui. Bonnaire qui parlait notamment de la question des demandeurs d'asile. Absolument. Est-ce que c'est important pour vous d'être un acteur militant, en tout cas de tourner pour des films engagés? Alors, pour être très honnête, je ne me qualifie pas comme un acteur militant, mais il se trouve que j'aime bien faire des films qui me touchent et que j'ai envie d'aller regarder, que j'ai envie de voir. Et il se trouve que quand le scénar Mamet Haroun Saleh, j'avais du mal à passer à côté parce qu'on parlait de demandeurs d'asile sans cliché comme on a l'habitude de le voir. Et c'est Sandrine Bonnaire, c'est quand même un cadeau. Alors, je voudrais revenir sur une des collaborations importantes de votre carrière, Lumumba, Oui. Avec Raoul Peck, un film de Raoul Peck. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette collaboration? Le film était sorti dans les années 2000, je 2000, crois, en 2000. absolument. Ouais, le film est sorti dans les années 2000 et c'était mon premier film réellement parce que je faisais ce métier. J'avais un job, j'étais commercial et puis je faisais ce métier un peu en dilettante parce que je faisais du théâtre amateur parce que j'étais pas un très bon commercial. Donc il fallait que je fasse du théâtre pour apprendre à m'exprimer, à être à l'aise avec des clients. Et puis donc il y a eu ce. Et Raoul m'a proposé ce rôle. Je m'en rendais pas vraiment compte hein, parce que, comme tout un chacun, je savais, j'avais une vague idée de qui était Lumumba. Et en fait, mes études en France, on n'apprend pas cette tranche de l'histoire. Et je connaissais plus Martin Luther King, Malcolm X, etc. Donc, j'ai dû me documenter un peu plus pour mieux connaître le personnage et m'y lancer à corps et âme. Et c'était un vrai bonheur parce que ce film a fait le tour du monde. Et ensuite, j'en ai fait mon métier. À partir de là. Donc, je suis un jeune acteur de. Parce que ma carrière a commencé en 2000. Voilà. Alors, on va faire une brève pause dans cette interview pour retrouver le récapitulatif en images de tout ce qui s'est passé hier. C'est parti.
Bonjour à tous, on est en direct du Festival international du film d'Amiens sur les toits de la Maison de la Culture. Festival. Aujourd'hui, on reçoit Emilio Malek, président du jury long métrage. De critiquer ces films-là. Je pense par exemple à Netflix qui se passe, ils veulent se passer un peu des critiques, et la salle de cinéma, c'est un film aujourd'hui, nous les regardons tous, nous les regarderons de plus en plus ailleurs que dans l'espace de cinéma, mais que ce qui est grave, ce qui est dangereux, et, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tous. Marathon qui dure 48 heures. Alors on a commencé hier à 16 heures à prendre connaissance un peu du matériel et puis on a commencé à écrire le scénario et en prenant en compte qu'il faut l'interactivité que peut procurer la vidéo 360. Alors oui, c'est mercredi matin devant un jury et ensuite ça sera accessible au public durant la journée, quoi, à partir de l'après-midi. Voilà. Effectivement, ce que je peux vous dire, c'est que particulièrement pour suivre les rétrospectives mexicaines, voilà, parce que c'est un pays qui m'intéresse tout à fait particulièrement aujourd'hui. Le Mexique est une terre de cinéma depuis des années, qu'il s'agisse du cinéma classique ou d'un jeune cinéma international. Festival d'Amérique, Racine. Sur le justement dans une grande enseigne, c'est un peu curieux parfois, mais voir qu'il y a du monde qui vient et qui pose des questions, qui se documente, qui cherche à enrichir, c'est plaisant et ça apporte une confiance, ça apporte une certaine chaleur en fait. Très heureux d'être là, ça faisait très longtemps qu'on voulait venir au festival, donc c'est une magnifique occasion. Il y a quelques années, on avait la chance d'avoir un court-métrage, mais on n'avait pas pu l'accompagner, parce qu'on n'était pas là, je ne me souviens plus, c'était en 2009, c'était il y a longtemps. Donc voilà, on a une belle opportunité, donc on tient à remercier. Parmi les il est censé ces deux politiques. Voilà. D'amour. Ça facilite. J'ai longtemps.
j'avais sûr que j'allais le faire. Du coup, on a une complicité comme ça, où je me sens détendu et en confiance, parce que c'est un peu comme retrouver un membre de sa famille. Donc c'était magique, avec des acteurs danois, Nicolas Waldo-Koster, qui est dans Game of Thrones, et puis Soren, qui est un acteur danois aussi, et puis Guy Pearce, un acteur australien. Alors, vous n'hésitez pas à vous promener dans les genres. Si vous trouvez autant dans des comédies comme le mois dernier, vous étiez dans Le Flic de Belleville avec Omar Sy, vous êtes dans des films engagés. Qu'est-ce qui guide vos films? Ben alors, j'imagine ce qui guidait le réalisateur. Mais maintenant, je me laisse porter aussi par l'histoire. Avec une très belle histoire. Non, en fait, c'est le contraire. À l'origine, c'était l'histoire qui m'intéressait. Mais finalement, j'ai compris qu'on avait beau avoir une très belle histoire, on ne faisait pas forcément un superbe film. Donc maintenant, je me laisse porter. Mes choix, ce sont les réalisateurs. Parce que même si ils ont un scénario qui tient sur deux pages, ils peuvent en faire des choses incroyables. Alors, pour terminer, vous avez vu tous les films en compétition. Qu'est-ce que vous pourriez dire au public pour leur donner envie de les découvrir à leur tour? Qu'est-ce que je peux... En fait, c'est qu'il faut qu'ils aient des écoutilles disponibles, parce que on découvre des mondes, on découvre des cultures, et puis on reste pas indifférent. Donc on sort un peu de son petit précaré et hexagonal, et ça fait vraiment du bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite bon courage pour la délibération qui risque d'être intense avec les membres du jury. On a quand même un jury, je ne sais pas si vous les avez cités, qui sont des gens passionnants et passionnés. Donc on a Marie-Pierre Caillé de The White Bunch, on a Pierre-Henri Delot qui est à l'initiative de la quinzaine, on a notre président Emilio Maillet. Oui, et on a reçu dans cette émission. Voilà, et Thomas Sautinel qui est un journaliste assez pointu du Monde. Et donc, ils sont tous des passionnés de cinéma, et je pense qu'on va sortir des couteaux. Bon, bon courage à vous, et puis on vous souhaite bonne chance aussi avec le prochain film de Brian De Palma, Domino, qui sortira en 2019. Absolument, merci beaucoup. Super. Et puis bon festival. Merci à vous aussi. Nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine émission. Parlez-vous cinéma.